Bravo, bravo, bravo. Encore une fois, tu es trop bien. Je suis en train de lui parler. Mais bon, le problème, c'est que comme c'est creusé à droite, là, ouais. Si tu tapes juste si la roue droite, tu la tapes juste sur l'arrêt, tu vas te faire éjecter à droite. Hein, tu passes pas. Hein. Ta trajectoire, faut que tu la prennes. C'est dur à faire ça. Entre la souche que tu as à droite et puis le trou qu'ils ont fait là-haut, tu vois. Ouais. Là, peut-être que si tu arrives à mordre, c'est bon. Peut-être. Allez, go. On a droit à 3 essais, puis après il faut laisser les autres. Oh, mais après on peut réessayer? Non. Non. On se descend par là ou bien? On fait une petite réserve de charbon là avant de partir. Bon, alors là tu m'as dit que c'était quoi? C'était une Willis avec un moteur de Corvette. Attention mesdames, messieurs. Soyez attentifs, c'est une Willis, donc des années très certainement 60-150. Ah ouais, ça a l'air vieux ça. 150 à 15, mais alors là, elle est complètement modifiée. Regardez ça au niveau des customs, c'est quand même assez impressionnant. Tout ailleurs, c'est avec une énorme antenne ici qui se balade derrière. C'est fou. C'est le Wi-Fi. Oui, là, c'est le Wi-Fi, ouais. Elle est typée au Wi-Fi. C'est pas mal. Alors attention, le moteur, on n'a pas bien entendu le moteur. Alors en fait, son antenne, elle fait tourneuse pour les sapins.